Yo les gens, on se retrouve pour ce troisième épisode de notre Let's Play, les Sims 4 chiens et chats. Alors, oula, qu'est-ce que je fais? Dans le dernier épisode, on n'avait pas fait grand-chose de spécial. On avait visité la clinique vétérinaire, puis on avait voulu aller à un festival, sauf qu'on s'était trompé d'endroit, du coup on n'avait rien foutu. Et aujourd'hui, du coup, ce qu'on va faire avec notre petit ghost qui est là. Juste ici, en mode encore trop mignon! Il est trop mimi ce petit toutou! J'arrête pas de le dire. Par contre, du coup, je sais pas quand est-ce que je vais le faire grandir. Parce qu'il me semble pas qu'il grandisse tout seul. Sinon, t'avais... Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, j'ai testé un... Il y a un mode qui vient d'être... D'être créé. Qui... En fait, de base, on peut pas contrôler les chiens, les animaux et tout ça. Et maintenant, grâce à ce mode qui vient d'être créé, on peut contrôler les petits toutous! Regardez là, il est là le petit toutou. Sauf que le truc c'est que je sais pas si ça le fait à tout le monde ou vu que le mode vient juste de sortir, je pense que ça doit être pour ça, il y a encore des petits bugs. En fait, quand je clique sur mon petit chien, clique sur mon petit chien, s'il te plaît. Bon, ça mettons je fais ça. Voilà, ça me met une bulle, mais il y a rien dessus, il y a rien d'écrit. Du coup, je sais pas ce qui, je sais pas si ça, il fait quelque chose ou pas. On va voir. Où est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas du tout en fait. Donc si je lui dis d'aller manger, ok, c'est normal, mais je sais pas si c'est un bug du mode en fait. Ou je sais pas du tout. Attends, c'est quoi ça un lama? Je suis excité. Ouaf saute, ouaf ouaf. D'accord. Ok, j'ai pas. Je sais pas pourquoi il dit ça. Ok, toi t'es en train de manger. Alors. Du coup, ce qu'on va faire, vous m'avez dit dans les commentaires, du coup, pour un métier à... On dit qu'il y a une grosse fête au chalet en ce moment, tant qu'on y aille ensemble. Pas maintenant. Peur des animaux. Aucun animal n'a vraiment peur de rien, pas même Ghost. Chaque animal a des peurs spécifiques. Alors observez vos animaux pour découvrir leur phobie. Qu'est-ce qu'il a? Il a peur de quoi? Il a peur de rien? Parce qu'apparemment en plus ouais, ils ont peur de des appareils ou des trucs dans le genre. Donc pour l'instant il a pas l'air d'avoir peur, on verra bien. Ouais, donc ce que je disais, on va prendre on va choisir un métier. Donc vous m'avez conseillé cuisinier en gros. Travailler en cuisine. On m'a proposé aussi en resto, sauf que je n'ai pas le pack restaurant. La donne restaurant. Du coup, je pense qu'on va juste faire cuisine. Car je n'ai pas encore, je vous avoue, j'ai pas encore regardé pour... Attends, c'est qu'il est sale ou... Non, c'est les taches. J'ai pas encore regardé pour devenir vétérinaire, donc je sais pas encore si c'est vraiment un métier. Ou si tu le débloques au bout d'un certain moment grâce à tes aptitudes et tout, je sais pas du tout. Ou si c'est toi qui crée ta propre clinique et tout ça, machin, je sais pas du tout. Donc ce qu'on va faire, on va le faire choisir un métier, se lancer dans une carrière. Quand ça sera fait... Hop. Alors, affaire, je regarde quand même au cas où. Artiste, astronaute, athlète, auteur, criminel. Donc voilà, vous m'avez conseillé culinaire. Je regarde sinon les autres. Go technologie, scientifique, machin, babysitter, barista. Employé de commerce. Ah mais ça c'est surtout les carrières comme les ados. Employé de fast-food. Qu'est-ce qui pourrait être cool? Écoutez, je pense qu'on va, pour commencer, on va prendre culinaire. Parce qu'en plus, on pourra aller se rendre sur le lieu du travail. Par contre, ce qui m'embête... Attends. Pause. Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, il n'a aucune aptitude de base. Attends, être ami avec 5 animaux, réussir à corriger 2 mauvais comportements. On va faire ça. On va faire cuisine en attendant. Puis on verra après. Alors il va se lancer dans une carrière, dépêche-toi par contre, merci. Du coup on va faire culinaire de 16h à 1h. Ok. Du coup je sais pas comment ça se passe du coup après avec le... Avec Ghost. En attendant on va s'occuper de lui. Oui, toi mignon! Tu vas faire tes besoins. Ah oui, et aussi il me semble que j'avais les friandises, voilà. Attends, c'est quoi sa photo? C'est une photo de Ghost. Bon, on va laisser pour l'instant.
si je la pose là, mettons, et que je demande à Ghost d'aller la manger, est-ce qu'il la mange? Manger quelque chose. Ok. Donc ensuite, il va aller manger. Et donc le marron fait quoi? Cette friandise n'est pas chaude au toucher, mais si votre animal la mange, il aura une surprise sacrément épicée. Oh, je sens que ça peut être pas mal. Attention. Bordi, il mange vachement loin. La vache. C'est quoi cette tête qui nous fait? C'est tout? Bah tu l'as fini même pas. Jouer dans la flaque. Bah non, va... Hein? Va pas jouer dans ton pipi? Mais... Alors je vous avoue, j'ai pas fait exprès. Franchement, j'adore la pause. On peut dire que pour une fois, j'ai fait pause au bon moment. Regardez-moi ça! Oh, énorme! Regarde la tête qui file, pauvre toutou. Attends, on va prendre... Tac, on va faire un petit screen. Hop là, voilà. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais même pas réussi. Par contre, non, tu vas pas jouer dans ta flaque, t'es crado. Alors, quand ils sont bébés... Oh, mais non, mais arrête! Va vite nettoyer ça. Lâche la télé. Va vite t'occuper de ton chien, là. Oh, regarde comment il marche! Recevoir de l'amour, caresser, sermonner à propos de jouer dans les flaques. Voilà, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il a sinon? Adopter un chat. Adopter un chat. Pourquoi pas? Je sais pas si je vais le faire dans cet épisode. J'y ai pensé. Mais je sais pas si je vais le faire dans cet épisode. Ghost a appris à ne pas jouer dans les flaques. Cool! Caresser. Ok. Ensuite, prendre dans les bras. Laisser, lécher le visage. Gratter l'endroit préféré. Voilà, on va te gratter à l'endroit préféré. Ensuite. Plus de choix, ordre appris au pied. Je sais pas si à partir de combien de temps il apprend ou s'il faut que je fasse grandir avant. Je suis complètement enrhumé, c'est génial. Vive l'hiver. Même si on n'est pas encore en hiver. Tu vas pire, tu vas remplir, appeler Ghost pour qu'il vienne manger. Remplir, voilà, on va juste faire remplir la gamelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir te faire? Donc du coup, tu commences le travail quand? Il commence mercredi. Et il devra faire préparer à manger, préparer des boissons, pas commencer. Préparer à manger. Préparer à manger, préparer à manger. On va préparer à manger alors. Est-ce que t'as faim en plus? Non, t'as pas forcément faim. Donc on fera ça tout à l'heure au pire, quand t'auras faim. Ce qu'on va faire, du coup, mettre dans l'inventaire. Au pire, non, on va directement faire ça. Hop, tac. Ce qu'on va te faire faire... On va aller faire le tour du lotissement. Enfin pas du lotissement, on va dire le tour de la ville. Et tu vas emmener ton petit ghost avec toi. Tu vas aller l'emmener se promener. Alors, on va te faire te promener. On va aller où? Île des herbes mortes. Lieu d'un mystérieux naufrage. Il y a longtemps, l'île des herbes mortes accueille désormais le phare inconnu dans le monde entier. C'est pour la plus grosse population d'animaux errants dans la ville. T'es bon, on va aller voir ça. Alors. Bonjour mademoiselle, c'est qui? Alors attends, pause, c'est qui? Ah oui, c'est mon jeu qui c'est. Non, peut-être pas dragueuse, on va se calmer. D'ailleurs, pourquoi t'es en geôleur? J'ai rien fait pour tout ça en geôleur. Faire crac-crac avec quelqu'un, ok, d'accord. Ouais, non, pas tout de suite, on va se calmer. Niveau relation, on va peut-être pas commencer tout de suite, hein, on verra plus tard, un peu plus tard. Bon, tu commences à être un petit peu sale, t'as pas de douche ici. En même temps, c'est pas une auberge. Alors attends, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Oh, il y a un bateau! Est-ce qu'on peut aller dessus? Hop là. Aller à la plage. Et là, aller sur les quais. Oh, vas-y! On va essayer d'aller à la plage. Emmène ton petit ghost, dépêche-toi. Il est où? Ok, il emmène son ghost. Aller à la plage, oui, tu vas à la plage. Alors, en regardant un petit peu. Déjà l'endroit. Ok. Donc moi je suis là. Est-ce qu'on peut aller frapper à la porte? Allez ici. Allez, dépêche-toi, tu vas aller là-bas. Dépêche-toi, tu vas appeler Ghost pour qu'il vienne avec toi. On va lui faire faire un petit peu d'exercice, je sais pas si c'est possible, on va voir.
Ouais, dépêche-toi d'arriver. Non, mais va pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans la file d'attente. File d'attente de quoi? Retourne ici. Allez, ici. Dépêche-toi. Maintenant, appelle Ghost. Maintenant, le temps qu'il se ramène. Mais il va pas là-bas! Ghost, t'es où? Mon chien. Ah, mais il est là. Il est tellement petit que je vois pas. Allez, s'asseoir ici. Voilà, on va faire s'asseoir ici. Toi, arrête avec ta file d'attente. Et tu vas avec ton petit chien à la plage. Caresser, discussion intellectuelle. Qu'est-ce qu'il nous fait? Regarde ça, il est minuscule. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Faire un câlin. Ensuite, on va te faire quoi? Si je fais soin, demander d'aller faire ses besoins, envoyer chez soi, prendre dans les bras, donner un bain. Non, pas donner un bain. Au pied. Tu vas lui apprendre au pied. On va voir si au bout d'un moment il réussit à lui apprendre. Oh, y a un... je vois là-bas, il y a un autre chien. Bouge pas. Hop, tac. Tac! Là, qu'est-ce qu'il nous fait le chien? Attends. Il a qui? Plume, adulte. Ok, on est avec nos petits gosses, on verra s'ils s'approchent par là. Alors ensuite, on va te faire recevoir de l'amour. Prendre dans les bras. Tu lui as appris au pied ou pas? Non, il lui a pas appris. Regardez une performance au karaoké. Oh, trop mignon, des petits cœurs! Ah, attends, ensuite, prendre les bras. Hein. Tu vas faire tes besoins. Même si tu les as fait tout à l'heure, je sais pas si c'est important. Oui, allez, dépêche-toi, va faire ton caca. Ou ton pipi, comme tu veux. Maintenant, il va nous faire son petit caca. Regarde ça, il est trop mignon. Attends, est-ce que je peux le faire courir après les oiseaux? Oh, je peux pas le faire courir après les oiseaux. Ça fait quoi si je fais ça? Est-ce qu'il fait quelque chose? Il va pêcher des poissons? Attends, tiens, va pêcher, allez pêcher. Reçoit de l'amour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il... Ah oui, il a envie d'aller aux toilettes, j'ai pas vu. Il a envie d'aller aux toilettes. Oh mais pourquoi il est triste, petit papa? Prendre les bras, caresser, faire un câlin. Hop. Qu'est-ce qu'on va te faire faire? Discussion, caresser. Allez, hop. Pourquoi il est triste? Par contre, toi, tu vas vraiment avoir envie d'aller aux toilettes. Donc, ce qu'on va te faire, on va te faire. Allez. En fait, c'est juste un arbre pour chien ou ça se passe comment? Parce que du coup, utiliser les toilettes. On va faire ça. Ce sera mieux. Est-ce que je peux plus de choix neutre? Qu'est-ce qu'il veut dire par neutre? Lama, attends, je... Ah ouais, d'accord, c'est qu'il veut jouer. Ah d'accord. Il a besoin de se défouler en fait. Ah ouais, mais j'ai pas de balle sur moi. Ah, j'aurais peut-être dû prendre une balle. Bon, c'est bon, t'as fini de pisser? J'aurais peut-être dû, ouais, le faire... vas-y. Oui, je sais, t'es crade. Danny une friandise, il sera content. Mais non, fais pas ça, t'es fou. Oui, je sais. Ah oui, tu peux vraiment caresser. Et ensuite, on va rentrer, parce que bon. Ah, elle est trop mignon. Voilà. Bon, en tout cas, franchement, ça a l'air, c'est assez sympa, l'endroit de la plage là comme ça, avec la petite baraque ici, hein, qui quand même, qui a l'air vraiment pas mal. Alors. Hop, dépêche-toi de le caresser, du coup on va rentrer. Et on se retrouve juste après. Ok, très bien. Donc tu vas prendre, faire un câlin, gratter un bras, prendre les bras, voilà. Et tu vas aller... C'était quel chat qui a fait waf waf là comme ça? C'est moi ou... Ok, donc tu vas aller faire un bain. Parce que bon, t'en as grand besoin, prendre un bain. Ensuite tu vas te faire à manger, préparer, cuisiner, on va faire cuisiner.
On va te faire des œufs brouillés avec du bacon, tiens. On va faire portion individuelle. Allez hop, dépêche-toi. Mais lâche ton chien! Et toi, Ghost, on va te faire jouer à la baballe. Gémir avec la balle, mâchouiller le jouet. Comme ça, tu vas bien t'amuser. Donc franchement, ouais, le mode, il est pas mal. C'est juste pour certains trucs, ouais, je sais pas forcément comment que ça marche. Faudra voir après par la suite. Je pense qu'il y aura sûrement des mises à jour, c'est même quasiment sûr. Hop. De toute façon, toi, après, t'as rien de spécial. Lui, il entre... C'est quoi ça? Contempler. Mais contemple pas, t'as... Pourquoi tu contemples ça? Voilà, il va faire son premier plat du coup. Félicitations pour cet emploi intéressant. Je crois qu'il sera parfait pour toi. D'accord. Donc ça, adopter un chat. Donc ouais, adopter un chat, on verra plus tard. C'était prévu que j'adopte d'autres animaux, mais je sais pas encore forcément à quel moment. On verra ça. Donc là, il va manger. Hop. Ah ouais, d'accord, c'est que t'as même pas fini ta première assiette en fait. Et est-ce que en fait tu peux donner aussi au chien? Non, tu peux pas. D'accord, qu'est-ce qu'il a, petit papère? Parler à, on va faire parler à. Il fait quoi? Je pense que là, ça doit être contemplé. Écoutez la question de Dave. Si je clique sur lui, plus de choix, jeu. Laissez lécher visage, amical, amical. D'accord, il peut jouer comme ça aussi, c'est pas mal. Oui, bah allez, dépêche-toi de lui parler. Bah, c'est bon là, pourquoi t'as encore le lama? Définir la fréquence de distribution. Toutes les 3 heures. Ah, de contempler ça et mange, dépêche-toi. Du coup, ça aussi, tu vas nettoyer. Attaque. Donc voilà, donc pour le lendemain, j'aurai un boulot. Parce qu'il est parti. Ah, il est là-bas. Soit faire, on va le faire aller se coucher. Gros dodo, demander de se coucher. À Ghost. Hop là, on va attendre que Ghost arrive. Et toi, tu vas aller dormir. Est-ce qu'il y va? Et voilà. Mais non, mais Ghost, qu'est-ce que tu fais? Fais dodo ici. Bon, tant pis, du moment qu'il dorme. Ah. J'ai entendu dire... Non, on refusait. On dort, demain on bosse. Voilà, écoutez, ça fait déjà un bon enfin un bon quart d'heure, je pense, bientôt 20 minutes que j'ai commencé à tourner. On va se laisser là pour cet épisode. Donc pour la suite des épisodes, donc dans le prochain épisode, on commencera à aller bosser. On va voir comment ça se passe, le métier de cuisinier et tout dans le jeu. J'ai encore jamais fait, donc je vais découvrir en même temps que certains d'entre vous. Sur ce, n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez ce let's play, à me dire ce que vous en pensez, des trucs améliorés ou autres, car je n'ai pas l'habitude, comme je vous ai dit, de tourner sur les Sims 4. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, pour ceux qui suivent. Sur ce, n'hésitez pas à donner des conseils ou autres, peu importe. Sur ce, j'espère donc que ça vous plaît. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, des commentaires et à partager tout le travail si ce n'est pas déjà fait, et même à vous abonner. Et sinon, je vous dis donc à très vite pour... de nouvelles vidéos pour le prochain épisode. Allez, sur ce les gens, ciao ciao!